Sacrifice du soir et
soit un sacrifice du soir, exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse de la Sainte Gloire, mon Père et mon Père céleste saint, grâce, Seigneur, de tout mon cœur, j'énonce toutes tes merveilles. J'exulte en toi, je jubile, je joue pour ton nom, Dieu très haut. Effacer leur nom pour toujours et à jamais. L'ennemi est achevé, ruines éternelles. Tu as détruit les villes, leur souvenir a péri. Voici le Seigneur siège pour jamais. Il a fermé pour le jugement son trône. Il jugera le monde avec justice. Que le Seigneur soit un lieu fort pour l'opprimé, un lieu fort au temps de détresse. En toi se confient ceux qui connaissent ton nom, tu ne peux abandonner ceux qui te cherchent, Seigneur. Jouez pour Dieu l'habitant de Sion, racontez parmi les peuples ses hauts faits. Lui qui s'enquiert, pour moi, Seigneur, vois mon malheur, tu me retires des portes de la mort. Que j'énonce tes louanges aux portes de Sion, que j'exulte de joie en ton salut. Les païens ont crué dans la fosse qu'ils ont faite, au filet qu'ils ont tendu leurs pieds se sont pris. Dieu s'est fait connaître. Et
les impires tournent aux enfers, tous ces païens qui oublient le Seigneur. Car le pauvre n'est pas oublié jusqu'à la fin, l'espoir des malheureux ne périt à jamais. Dresse-toi, Seigneur, que l'homme ne triomphe, qu'il soit jugé les païens devant ta face. Jette sur eux l'épouvante, qui connaissent les païens qu'ils sont hommes. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Pourquoi, Seigneur, restes-tu loin? Te caches-tu autant de détresse? Le malheureux se consume sous l'orgueil de l'impie. Il est pris aux ruses que l'autre a combinées. L'impie applaudit au désir de son âme. Dans la vie de ma sœur, l'impie méprise Dieu. Sa colère. Ses procédés sont confirmés à chaque instant, tes jugements sont trop hauts pour lui. Tous ses rivaux, il souffle sur eux, il dit en son cœur, je tiendrai bon. Lui qui n'est pas dans le malheur, il maudit, pas de Dieu, voilà toute sa pensée. Sous les violences, il emplisse la bouche, sous sa langue, peine et méfait. Il est assis à l'enfer dans les roseaux, sous les couverts, il massacre l'innocent. Mes yeux, il épie le misérable, à l'affût bien couvert comme un lion dans son fourré. À l'affût pour ravir le malheureux, il ravit le malheureux en le traînant dans son filet. Il épie sa complice tapis, le misérable tombe en son pouvoir. Il dit dans son cœur, Dieu m'oublie, il se couvre la face et ne voit rien. Baisse-toi, Seigneur, ô Dieu, lève ta main, ne laisse pas dans l'oubli les malheureux jusqu'à la fin. Pourquoi l'impie méprise-t-il le Seigneur, et dit-il en son cœur, il ne cherchera point. Mais tu as vu la peine et les pleurs. Le bras de l'impie du méchant, tu chercheras son impiété sans la trouver. Dieu est roi pour toujours et à jamais, les païens disparaîtront de sa terre. Le désir des humbles, tu l'écoutes, Seigneur, tu as fermé le cœur. De l'Apocalypse, page 338. Honneur et gloire et puissance à l'agneau de Dieu.
D'Origène au IIIe siècle. Voyons ce que Dieu a dit à Moïse. Quelle route il a eu ordre de choisir. Tu croyais peut-être que le chemin que Dieu montre est uni et facile, qu'il ne comporte absolument rien de difficile ou de pénible. Au contraire, c'est une montée et une montée tortueuse. Car le chemin par où on tend aux vertus ne va pas en descendant, mais en montant. Et c'est une montée resserrée et difficile. Écoute le Seigneur encore dire dans l'Évangile, « Combien étroite et resserrée est la voie qui mène à la vie ?» Vois donc combien l'Évangile est en harmonie avec la loi. N'est-il pas vrai que même des aveugles peuvent le voir clairement ? Un seul esprit a écrit la loi et l'Évangile. Le chemin où on s'avance est donc une montée tortueuse. Les actes et la foi comportent bien des difficultés, bien des peines. Car bien des tentations et bien des obstacles s'opposent à ceux qui veulent agir selon Dieu. Ensuite, dans la foi, on trouve bien des choses tortueuses, beaucoup de points de discussion, bien des objections d'hérétiques. Écoute ce que dit Pharaon en voyant la route que Moïse et les Israélites avaient prise. Ces gens-là s'égarent. Pour Pharaon, ceux qui suivent Dieu s'égarent. C'est que, on l'a dit, le chemin de la sagesse est tortueux, avec maints tournants, maintes difficultés, nombre de détours. Ainsi, confesser qu'il y a un seul Dieu et affirmer dans la même confession que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un seul Dieu, combien tortueux, combien difficile, combien inextricable cela paraît-il aux infidèles. Ajouter ensuite que le Seigneur de majesté a été crucifié et qu'il est le Fils de l'homme qui descendit du ciel, combien cela paraît tortueux et combien difficile. Qui l'entend sans la foi dit « Ces gens-là s'égarent ». Mais toi, sois ferme, ne mets pas en doute une telle foi, sachant que Dieu te montre cette route de la foi.
Dieu sauve son peuple. Alléluia, alléluia. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon sauveur. Et pour moi les merveilles, saint est son nom. Son amour, c'est ton échange. Sur celui de règne, déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de la trône. De bien les affamés, renvoie les riches des mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit.